Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler des 24 livres que j'aimerais bien lire au maximum cette année de 2024. Donc 24 livres pour 2024. Voilà, j'ai vu ce concept sur TikTok, il me semble. Je suis pas sûre de moi. Je sais plus si c'est sur TikTok ou si c'est sur YouTube. Si c'est sur YouTube, je mentionnerai la vidéo en barre de description. Mais il me semble que c'est sur TikTok. Donc je vais essayer d'aller au plus vite possible. Je vais essayer de vous résumer les livres le mieux que je peux. Si je vois que vraiment je suis en galère, je vous lis le résumé. Après, c'est vrai qu'il y a des nouveautés, mais il y a aussi des livres qui sont dans ma pelle depuis un certain moment. Donc du coup, il n'y a pas que des nouveautés, mais c'est vraiment aussi des fossiles de ma bibliothèque que j'aimerais bien sortir. Donc on va commencer tout de suite. Dès le début, j'attaque avec un livre que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, mais j'ai voulu le mettre dedans parce que pour le moment, je l'ai juste mis un peu de côté parce que je ne comprends rien. Genre vraiment, c'est Magnolia Parks de Jessa Hastings, sorti aux éditions Hauteville. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je l'ai eu pour la Saint-Valentin, donc j'ai commencé à le lire. Je suis à la page 46, mais vraiment, je trouve que c'est un peu fouillis pour l'instant. Genre, j'arrive pas à me repérer un peu dans l'histoire. J'arrive pas à trop comprendre qui est qui. Genre, ça part dans tous les sens. Il y a trop de noms, les noms de famille, les trucs, les machins. Donc, c'est assez compliqué, mais à ce qui paraît, c'est une pépite. Il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal au début à rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'ils se sont mis dedans, genre, c'était oufissime. Après, il y a eu beaucoup d'avis divergents. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont détesté. Donc j'aimerais bien me faire mon propre avis. Et surtout que moi, cette couverture m'a attirée de ouf. Mais alors, je ne m'attendais absolument pas à que ça parle de ce genre d'histoire. En gros, de ce que j'ai compris, c'est une relation un peu toxique. Donc voilà, à savoir quand même. Là, je vois pas de trigger warning apparent. Et j'ai pas vu non plus 10 milliards d'avis dessus. Donc voilà. Mais le peu que j'ai vu, ça parlait... ça disait comme quoi ça parlait d'une histoire un peu toxique entre les deux protas. Donc à savoir... Je vais vous lire la quatrième de couverture parce que honnêtement je la connais pas plus que ça. Donc il y a écrit: combien de personnes aimons-nous dans une vie? Elle est belle, riche, égocentrique, légèrement névrosée et appartient aux autres sphères de la société londonienne. Il est le bad boy dont tous les paparazzis, de Grande-Bretagne s'arrache la photo et il lui a brisé le cœur. Pourtant, Magnolia Parks et B.G., je crois que ça se prononce comme ça, Ballantines, sont faits l'un pour l'autre. Tout le monde le sait. Elle sort avec d'autres personnes pour le tenir à distance. Ils couchent avec d'autres filles pour se venger. Malgré leurs vaines tentatives pour tourner la page, ils finissent toujours dans les bras l'un de l'autre. Mais ce cercle vicieux laisse des traces indélébiles dans leur existence et les confrontera à la question fatidique: combien d'amour a-t-on dans une seule vie? Le phénomène TikTok qui ravira tous les fans de Gossip Girl, bientôt adaptés en série par les producteurs d'Euphoria. En fait, ouais, dès le début de peu de pages que j'ai lu, c'est vraiment... vous savez, genre, il est très... moi, je fais ce que je veux, mais toi, t'as le droit d'approcher personne. Personne n'a le droit de t'approcher. S'il faut que je lui rentre dedans, il n'y a aucun problème. Donc, j'étais en mode... Ok, donc toi tu fais ce que tu veux, elle peut pas faire ce qu'elle veut, j'ai pas trop capté le délire, mais en tout cas, il a l'air vraiment pas mal et j'espère vraiment que je vais accrocher, mais je vous avoue que les 50 premières pages... J'en ai eu mal à la tête. Ah mais j'ai oublié mes lunettes, je me disais qu'il me manquait quelque chose. Bon c'est pas grave, on va continuer sans. Je me disais, genre j'ai l'impression de voir tout flou. Je me disais je comprends pas, mais en fait j'ai juste pas mes lunettes. Et vous savez je dois les porter maintenant H24. Donc c'est pour ça que vous me voyez tout le temps avec maintenant. Mais là je me disais c'est bizarre, je vois flou. Bah ouais, je comprends pourquoi. Ensuite j'ai envie de sortir aussi de ma palle, donc du coup je l'ai mis dans cette liste de 24 livres. C'est Off Limits de Eugénie Dielens, sorti aux éditions Hachette Lab, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pour un public averti. En gros c'est une fille qui va être placée en famille d'accueil et elle se retrouve chez les Williams, sachant qu'elle connaît déjà Corey, leur fils, qui est la star du lycée. C'est un mec hyper populaire. Et du coup en gros leurs échanges sont vraiment sanglants, genre ils peuvent pas se blairer, sauf que lui il est tantôt attiré par elle comme il peut pas se la voir. Donc c'est vraiment un peu... Enfin ça va être un enemy to lover. Ils avaient déjà passé une soirée ensemble il me semble. Et du coup elle peut pas se le voir. Sauf qu'il est assez séduisant. Donc je pense qu'il y aura un jeu de séduction entre les deux. Il a l'air vraiment pas mal. Ça reste quand même un tout petit poche de 300 pages je pense. Un truc comme ça. Ouais même pas. C'est le genre de livre après un gros pavé. Ça peut être pas mal à lire. Donc pourquoi pas, j'ai grave envie de le sortir de ma palle. Ensuite un petit fossile, mais pas tant que ça, parce que ok certes il est sorti il y a longtemps, mais moi je l'ai acheté il y a quand même quelques mois. Mais bon ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté. Mais bon bref, on va parler de Stairway to Heaven de Delinda Dane, sorti aux éditions Hugo Poche. Alors vraiment ce livre me tente, mais plus que plus. Et surtout j'ai découvert un peu la plume de Delinda Dane quand j'ai lu Un Happy New Year, que je n'ai absolument pas terminé parce que vraiment j'arrive pas. Genre je vais être très sincère, je l'ai mis de côté parce que je me faisais un peu chier et depuis je l'ai pas repris. Donc c'est que vraiment
Je sais pas, les deux premières histoires m'ont plu, la troisième bah j'ai commencé voilà. En fait je trouvais que c'était trop, enfin c'est pas de leur faute parce que ça reste quand même un 5 mains donc il faut pas l'oublier, il y a 80 pages par chapitre, enfin par, par personnage donc du coup bah forcément ça doit aller vite. Mais du coup bah je suis pas forcément fan du format, même si le concept est très bon, les plumes sont très bonnes, mais j'ai envie de le terminer parce que je veux pas rester sur une mauvaise note, mais c'est pas non plus le livre qui m'a transcendée. Mais du coup par cette occasion j'ai découvert la plume de Delina Day que j'ai adorée, vraiment je la trouve trop bien, donc j'ai vraiment vraiment envie de lire celui-ci. En gros c'est Tristan, c'est un mec qui a un passé quand même assez compliqué entre drogue, alcool, femme et tout, sauf qu'il va avoir une fille qui s'appelle Bria Rose il me semble. En gros c'est le fruit d'une nuit voilà sans lendemain avec une inconnue. Il va la retrouver devant sa porte car elle a été abandonnée par bah du coup ce coup d'un soir, donc la maman de la petite, et du coup sa vie n'est plus jamais devenue la même parce que forcément il est papa maintenant donc il a d'autres priorités, et en fait il cherche quelqu'un pour garder sa fille pour qu'il puisse travailler dans son salon de tatouage, sauf que bah forcément il a du mal à trouver quelqu'un parce que personne n'est assez bien pour Bria Rose, et il va tomber sur Haven qui est une fille qui cherche un boulot, et en fait elle va venir passer l'entretien chez lui, sauf que lui dès le début il se dit il est hors de question, elle est désordonnée, elle est tête en l'air, il est hors de question qu'elle garde ma fille, sauf qu'il y a une telle connexion entre Haven et Bria Rose que bah du coup il n'y a pas, enfin il n'a pas d'autre choix que de la prendre, donc du coup voilà, et je pense que bah forcément ça va se transformer dans une petite romance, donc j'ai trop trop envie de le lire. C'est une comédie romantique, donc franchement ça a l'air vraiment pas mal du tout, donc pourquoi pas, et depuis le temps que j'ai envie de le sortir de ma page, je pense que c'est le moment. Ensuite on a du Anita Riggins, dans cette palle aussi j'ai mis No Rules, il y a deux Anita Riggins, il y a celui-ci et on a un autre. Celui-ci pareil, ça fait un long moment qu'il est sorti, il est sorti en poche il y a pas si longtemps que ça. J'avoue qu'il me fait peur, parce que c'est quand même un gros bébé et il est pas non plus écrit en taille 20, vous voyez ce que je veux dire, il fait 550 pages donc du coup c'est quand même un gros pavé, mais ça reste quand même un poche, et je sais que les Addictives c'est vraiment pas mal à lire, genre j'adore lire les livres de chez Addictives, après les poches j'en ai jamais lu, mais en tout cas les brochets c'est hyper hyper agréable, genre la lecture elle est fluide et tout, donc voilà, en plus c'est du Anita donc je ne peux que aimer, et la plupart des avis que j'ai vu dessus, quasiment presque tous si ce n'est pas tous, c'est des avis positifs. Donc en gros ça va parler, c'est une romance universitaire, en gros on va parler de Iris qui arrive à Denver et à peine elle met les pieds dans son université, elle va assister à un truc de ouf parce qu'une invitation est lancée qui va venir rejoindre la meute qui est une sororité, je pense que ça s'appelle comme ça, de l'université la plus prisée, genre tout le monde veut y rentrer, tout le monde veut en faire partie, tout le monde va avoir ne serait-ce qu'un contact avec les gens de la meute, sauf qu'elle, elle en a strictement rien à faire, genre... ça n'intéresse même pas, sauf que le mec qui est dedans, Tucker, il voit dans ses yeux les flammes, vous voyez, il voit que genre il y a quelque chose qui va se passer, donc en gros il va un peu l'attraper dans ses filets, elle va se rendre compte que résister à la tentation c'est pas si facile que ça, donc du coup va s'en suivre une romance entre les deux, donc écoutez pourquoi pas, j'ai trop envie de le lire. J'ai essayé de mettre le maximum de poches possible, après il y en a pas beaucoup mais vous savez j'ai pas beaucoup de poches, enfin j'en ai quand même quelques-uns mais j'ai du mal avec les poches et pourtant j'aime bien. Genre là c'est vrai qu'au mois de décembre j'en ai lu 3 d'un coup, je les ai même pas vu passer tellement c'était bien, c'était petit, c'était rapide à lire. Après c'était des romances de Noël donc est-ce que ça joue pas? Peut-être. Mais j'aimerais bien aussi lire Never Never de Colleen Hoover et Taryn Fisher, sorti aux éditions HarperCollins. Celui-ci il me semble que c'est une fille qui a perdu du coup toute la mémoire. Elle se souvient plus de rien, ni de son passé, ni de son prénom, rien vraiment, tout s'est effacé. Et en fait elle va se rendre compte que Silas est exactement dans la même situation qu'elle. Sauf qu'elle sent quand elle regarde Silas qu'il s'est passé un truc entre eux. Donc ils vont essayer de redécouvrir bah du coup ce qui s'est passé entre eux, comment ils sont tombés amoureux et ainsi de suite. Donc du coup elle veut tout savoir, comment ils étaient, comment ils se sont embrassés pour la première fois, leur complicité, genre leur histoire. Donc ils vont s'allier tous les deux pour connaître la vérité, mais du coup je pense que ça va pas être... que des bonnes vérités à prendre, donc j'en connais pas plus et j'en sais pas plus, j'ai pas vu énormément d'avis dessus, j'en ai vu je crois un ou deux, et il y en a un qui m'a donné grave envie. Après ça reste du Colleen Hoover, moi en temps normal j'aime beaucoup sa plume, donc est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer, je n'en sais rien, mais je vous avoue qu'il m'a tiré de ouf, donc c'est pour ça que je l'ai demandé à Noël, ma petite sœur me l'a acheté, j'étais hyper contente, donc à voir. Je fais dans les 370 pages, un truc comme ça, donc franchement ça va, mais j'ai trop hâte de le lire, je pense que ça sera vraiment dans mes prochaines lectures. Et toujours pour rester dans du Colleen Hoover, j'ai envie de lire Too Late. Celui-ci, je vous dis la vérité, j'avais lu la quatrième de couverture il y a longtemps,
quand je regardais un peu tous les livres de Colleen Hoover, mais je ne m'en souviens absolument pas. Je sais juste que le mec s'appelle Asa et c'est un truc de ouf, c'est une relation toxique, le mec il est complètement starbé, c'est vraiment un truc pas simple à lire, donc j'ai vraiment envie de découvrir comme ça, j'ai envie de rentrer dedans, surtout que c'est un gros pavé, il me fait pas mal peur, il fait 500 et quelques pages, mais je vous avoue que j'ai pas envie de lire la quatrième de couverture. Dans tous les cas, tous les liens sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les regarder, je passe beaucoup de temps à que ça soit le plus détaillé possible, vous avez tous les liens, bah du coup ça vous renvoie sur le lien Fnac ou Amazon, peu importe, et vous avez bah du coup le livre, le prix, l'auteur, la date de sortie, les résumés, il y a tout directement sur la page, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais je vous avoue que pour celui-ci j'ai vraiment envie de me laisser entraîner et j'ai pas envie de connaître plus, parce que je vous avoue que même d'avis j'en ai pas entendu spécialement. Il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, mais je sais pas le pourquoi du comment. C'est juste, je vois souvent dans des par exemple bilan lecture, où les gens disent ah celui-ci je l'ai adoré, c'est un Colleen Hoover, il y en a, mais pas une revue spécifique de ce livre, donc j'ai même pas envie de me faire spoiler quoi que ce soit, donc du coup voilà. Ensuite il y a deux reliés que j'ai envie de sortir de ma palle, c'est Belladonna de Adaline Grace, sortie aux éditions de Saxus, donc c'est pour 15 ans et plus, sachez-le, donc c'est en édition collector, il est juste magnifique, plus je le vois, plus il me donne envie. Après vous savez j'ai beaucoup de mal avec les reliés, en fait j'ai trop peur de les abîmer, c'est pour ça que j'ai du mal à les sortir de ma palle une fois que je les ai achetés, et c'est pour ça que je privilégie d'acheter le brochet ou le poche pour après acheter le relié quand il sort. Mais c'est vrai que pour celui-ci et le prochain c'est pas quelque chose que j'ai fait, donc tant pis. Celui-ci je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je vous dis la vérité, je ne la connais pas très bien, mais je sais qu'il me donne grave envie, et à l'époque quand je l'ai acheté c'était un truc de ouf, l'envie qu'il me donnait, en plus la beauté de ce livre, genre j'ai pas les mots. Alors on dit qu'il suffit de 5 B de Belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline lorsqu'elle était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui ses seuls parents restants sont les Hamptons, une famille égocentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées, tandis que son fils se bat pour sauver leur réputation déclinante, et que sa fille souffre d'une maladie mystérieuse lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonnée. Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être un grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle ne l'a jamais imaginé. Genre il a l'air vraiment trop bien, la couverture, genre je peux pas, j'ai pas les mots, genre regardez moi ça, attendez, sans la jaquette, genre il est trop beau, genre je le trouve magnifique, je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque, honnêtement, genre s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle de cette beauté, genre. Donc j'ai trop envie de le lire, genre je sais pas, plus je le vois, bah plus il me tente, donc pourquoi pas. Ensuite, un autre que je veux lire, c'est Le Royaume des Damnés de Kerry McNiscalco. J'espère que je prononce bien, sorti aux éditions de Saxus. Alors celui-ci c'est 14 ans et plus. Pareil, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que je l'ai plus en tête. Deux sœurs, un meurtre brutal, une vengeance qui déchaînera l'enfer, une romance enivrante. Emilia et sa sœur jumelle Victoria sont des Tredge. J'espère que je prononce bien. Des sorcières qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Victoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de la famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profanée au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Victoria et de se venger à tout prix. Même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire, elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer, contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île, mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Donc pareil, genre, je sais pas, il a l'air trop bien, il est magnifique, toujours là, ils sont d'une beauté les livres de Saxus, genre, regardez-moi ça s'il vous plaît, il est trop beau. J'adore, si je pourrais avoir que des reliés dans ma bibliothèque, je vous jure que je le ferais. Je trouve ça d'une beauté sans nom. Ensuite, pareil, dans cette liste, je l'ai mis, j'ai hésité. Je me suis dit, ça paraît tellement évident, mais bon, je vais le mettre quand même. C'est Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, sorti aux éditions Hugo. Alors, c'est la suite, c'est le tome 2 de la saga Seasons. En gros, celui-ci, ça va parler de Lily, qui est une star montante du patinage artistique. Et elle a toujours idolâtré un patineur artistique qui s'appelle Orion. Et du coup, elle se présente au monde du... Et lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est vraiment aux anges parce que son partenaire n'est autre que le mec qu'elle idolâtre depuis tant d'années.
Orion. Donc du coup en fait lui il a qu'une envie, c'est d'arrêter le patinage artistique parce qu'il a peur pour sa partenaire, il a peur de la blesser voire même pire, sauf que son coach lui impose vraiment cette dernière partenaire, donc c'est ce qu'il va faire. Sauf que lui il est pas du tout emballé et elle bah elle est un peu déçue parce qu'elle pensait absolument pas que ça allait se passer comme ça. Donc je pense que c'est un bon enemy to lovers. Il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, mais je commence à voir quelques avis négatifs comme quoi il est absolument pas à la hauteur du premier, sachant que moi j'ai adoré le premier Un automne pour te pardonner. Donc écoutez voilà, mais j'ai grave envie de continuer cette saga parce que j'ai adoré. Et en fait chaque tome, vous n'êtes pas obligé de les lire à la suite, mais chaque tome en fait parle d'une fille. En gros le premier ça parlait de Camélia qui a une bande de copines, et du coup dans cette bande de copines bah il y a Lily, après il y en aura d'autres, mais chaque tome parle d'une des filles. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de les lire à la suite, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Mais comme c'est des histoires un peu entremêlées, bah du coup je pense qu'il y aura des certaines petites infos que vous aurez pas dans le premier. Donc si vous lisez celui-ci, il y a peut-être des petits risques de spoil, enfin je pense hein, je suis pas sûre de ce que j'avance. Généralement quand c'est comme ça, c'est des livres que vous pouvez lire indépendamment, mais ça reste quand même plus agréable de le lire à la suite, parce que bah forcément si vous avez pas lu le 1, vous savez pas telle ou telle chose, et ça se trouve dans le deuxième tome bah vous allez les découvrir, donc c'est un peu nul. Mais en tout cas c'est pour un public averti, romance psychologique, donc du coup voilà. Ensuite j'ai pareil, j'ai hésité à le mettre mais je l'ai mis quand même. Là j'ai commencé à l'écouter en audio sur Nextory, et non pas que j'ai pas envie de les lire, mais j'ai surtout pas envie de les abîmer. Et quand je vois les gens à force bah, de les lire, de les attraper, tout est abîmé, quand je vois que les dorures et tout part, bah j'ai vraiment pas envie de les abîmer parce que je les trouve tellement magnifiques. Donc du coup voilà. Alors celui-ci pareil c'est une saga, donc c'est la saga Twisted. Donc il y a Twisted Love, Twisted Game, Twisted Hate qui est déjà sorti, et Twisted Lies. Donc du coup pareil, ça reste des histoires entremêlées, vous allez suivre l'histoire de chaque personne, pas forcément des copines. Là par exemple c'est la copine de la fille du premier tome, Ava, là c'est Bridget, parce que vous voyez genre là par exemple ce livre est divisé en deux parties. Donc la première partie c'est comme si elle se passait encore à l'époque du premier tome, et la deuxième partie ça c'est genre au jour d'aujourd'hui, vous voyez, enfin c'est maintenant. C'est je sais pas comment vous expliquer, c'est trop bizarre, mais en gros on va avoir une révélation à la fin du premier tome. Donc du coup la première partie se passe encore avant la révélation, et la deuxième partie après la révélation. Voilà, ça va être comme ça. Donc en gros celui-ci va parler de Bridget qui est la princesse de je ne sais plus quoi, mais en tout cas elle va avoir un nouveau garde du corps qui s'appelle Riz. Ouais c'est ça, Riz Larsen. Donc hyper bourru, hyper toujours de mauvaise humeur, genre vraiment très grincheux, donc un bon Grumpy Sunshine. Et une relation interdite parce que lui c'est son garde du corps, et pour lui il est formellement interdit d'approcher bah du coup ses clientes. Donc du coup va s'en suivre une romance bah entre bodyguard et la princesse. Le tome 1 j'ai eu du mal au début, la traduction je la trouvais très bancale. Après au fur et à mesure du livre j'ai bien apprécié, et surtout la fin, mais genre les plot twists, j'étais là en mode mais quoi. Il y en avait un deuxième, je me suis dit, mais quoi? Genre, franchement, ça s'arrêtait pas, c'était juste phénoménal. Juste, je l'ai pas noté 5 étoiles, je crois que je l'avais noté 4 ou 4,75, je sais plus, je crois que c'était 4. Mais parce que vraiment les scènes de smut c'était juste non. Et en fait de ce que j'ai compris lui aussi il y a pas mal de scènes de smut, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit et j'ai vu des avis comme quoi il était beaucoup mieux. Mais là contrairement à ce que j'ai entendu au début, beaucoup de gens sont là en mode ouais c'est bon quoi, c'est juste une romance entre une princesse et son garde du corps, genre rien de fou, on apprend rien de fou, l'histoire elle est bancale, genre c'est plat quoi. Donc du coup j'espère que ça sera à la hauteur du premier, mais on verra. Mais en tout cas, là je l'ai commencé en audio, j'ai hâte de vous en dire des nouvelles. Mais en tout cas le premier j'avais bien aimé, juste les scènes de smut s'il vous plaît. Oh. Bref, ensuite on va parler de Ce qui nous consume de Quentin Jarnaud, sorti aux éditions Collection EH. C'est du new adult, donc celui-ci ça va se passer lors de la Fashion Week de Paris. Et on va suivre Ophélie qui est soi-disant une couturière de second plan. Et en fait comme c'est la Fashion Week de Paris, on va lui donner la mission de s'occuper de un des mannequins les plus prisés du moment. Et en gros sa mission c'est d'ajuster à la perfection les pièces qu'il va porter lors de cette Fashion Week. Et elle se dit bon bah déjà c'est une aubaine pour moi, pour mon statut au niveau du travail, et c'est surtout je vais pouvoir respirer et genre me délaisser un peu de mon mec qui a qu'une obsession, c'est qu'ils habitent ensemble, qu'ils construisent une famille et tout. Et elle bah pour le moment c'est absolument pas ce qu'elle a envie, elle a juste envie d'avancer dans sa carrière. Donc elle se dit bah c'est trop bien parce qu'au moins ça sera une occupation pour moi, et surtout que le mec bah il est à tomber quoi, vraiment comme il dit à faire pâlir les statues grecques. Donc imaginez-vous, sauf que le mec bah il en a rien à foutre de sa vie, genre il rigole même pas à ses blagues, vraiment mec hyper stoïque, genre il la cala même pas. Donc elle se dit bon ok d'accord. On a l'impression que le mec il a qu'une envie, c'est de la fuir. Donc je pense pareil, un très bon ennemi tout
Pullovers. Il y a 3 tomes, je crois que c'est une trilogie si je dis pas de bêtises. Moi j'ai le 1 et le 2 que ma meilleure amie m'a offert pour Noël, j'étais tellement contente. Du coup il y a le 3ème tome qui est sorti, je l'ai pas encore acheté mais ça ne serait tardé. Il fait 342 pages, genre c'est pas énorme. Et surtout la manière dont c'est écrit, genre j'ai jamais encore lu de collection EH, mais de la manière dont c'est écrit ça me donne grave envie, je vous jure c'est incroyable. Donc voilà pourquoi pas. Ensuite toujours dans cette pâle, j'aimerais bien lire The Love Hypothesy, sorti aux éditions Hauteville, écrit par Ali Hazelwood. Pareil, j'arrive après la guerre, tout le monde l'a lu sauf moi, mais plus ça va, plus me donne envie, plus j'ai envie de le lire. Et en gros ça va parler d'une fille qui travaille dans tout ce qui est scientifique, et en gros sa meilleure pote va la saouler parce qu'elle a pas de mec et ainsi de suite. Et un jour elle va lui inventer un bobard, elle va lui dire ouais mais si j'ai un mec, c'est juste que t'es pas au courant. Et sauf que bah forcément, comme ils disent les scientifiques, ils veulent pas que des paroles, ils veulent des preuves. Donc elle, comme très bonne biologiste, elle va donner une preuve à sa meilleure amie, et en fait elle va embrasser le premier venu. Sauf que ce premier venu n'est autre qu'un prof qui règne du coup sur les laboratoires de Stanford. Donc ok. Et en fait elle va se dire oh là là le mec il va me rembarrer. Mais non pas du tout, il va vouloir jouer le jeu et se faire passer pour son petit ami. Donc écoutez, pourquoi pas, j'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus non plus. Il a l'air juste trop bien, j'en ai entendu tellement d'avis positifs. Donc bah j'ai envie de me lancer. J'ai encore jamais lu d'Ali Hazelwood. Surtout il y a Love in the Brain je crois aussi, qui a l'air pas mal, mais comme il parle de NASA, de base c'est pas trop mon délire, mais à ce qui paraît il est très très bien écrit. Donc je me dis pourquoi pas, j'aimerais bien déjà commencer par celui-ci, voir si je m'imprègne de l'histoire, mais en tout cas il a l'air vraiment pas mal. Ensuite il y a Gothicana de Runic, sorti pareil encore aux éditions Collection EH, décidément il y en a beaucoup, mais pareil il me donne grave envie et je ne sais pas trop. Alors déjà c'est pour un public averti, sachez-le, je ne le savais pas en l'achetant, mais à ce qui paraît il y a beaucoup de trigger warning. Ah ouais, le mec il nous a fait une playlist, mais genre playlist quoi, une page, deux pages, trois pages. Ah oui ok. Ce roman contient des scènes de sexe explicites recommandées aux plus de 18 ans, des scènes de suicide ou de meurtre, il aborde des sujets de troubles mentaux et la maltraitance familiale, des agressions sexuelles et une question de sacrifice humain. Oh, quoi? Ok, je savais juste qu'il y avait des trigger warning. Bon bref, en tout cas, en gros je crois que c'est une fille qui s'appelle Corvina, elle va arriver à Verenmore, qui est loin d'être une université, par le français, ordinaire, loin de là en gros. Sauf que elle, bah elle est à son aise, genre dès qu'elle arrive elle voit des grandes tours gothiques dans le brouillard, genre très macabre, très sombre, et elle se dit bah enfin je vais pouvoir me faire une place dans cette école, c'est tout. Donc du coup vraiment rien ne lui fait peur parce qu'il y a une forêt interdite, elle a qu'une envie, c'est d'y aller se balader seule. Voilà, elle entend des voix depuis son arrivée, elle s'en fout, elle trouve ça tout à fait normal. Et pareil, elle entend des ragots de ouf dans les couloirs, ça ne lui fait aucunement peur. La seule chose qui lui fait peur c'est le regard de son prof, qui s'appelle Vat Deverel, je crois que ça se prononce comme ça, qui est son prof de littérature. Sauf qu'elle entend beaucoup de rumeurs sur lui, et notamment elle se dit que ça se trouve le mec est lié de loin ou de près, voire même de très près, à toutes les histoires macabres et tous les secrets macabres qui se sont passés à Verenmore. Donc du coup elle risque bien de perdre son cœur ou et la raison. Donc du coup vraiment c'est un livre qui m'attire, genre c'est absolument pas ce que j'ai l'habitude de lire, mais pourquoi pas, c'est un truc entre une élève et un prof, mais c'est assez voilà, assez hardcore, donc pourquoi pas, ça m'attire, on verra bien ce que ça donne. Ensuite toujours dans un registre qui n'est pas le mien de base, c'est loin d'être des romances ou quoi, The Girl With No Soul de Morgan Owen, sorti Artinière Jeunesse Fiction. Et celui-ci je vais vous lire parce que honnêtement je sais de quoi ça parle, mais je préfère vous lire le résumé parce que je saurais pas bien vous décrire. En gros il y a écrit: à Providence la dictature de l'ordre est totale, l'âme de chaque citoyen est scrutée, contrôlée, égare à celles qui s'écartent du droit chemin. Elles sont aussitôt reprogrammée. Iris, elle, ne possède pas d'âme. Elle est vide. Si cela lui permet d'échapper à la vigilance des inspecteurs, c'est aussi ce qui l'empêche d'éprouver des sentiments ou de se souvenir de son passé. Pourtant, au contact d'un bijou appartenant à une riche famille au pouvoir, son étincelle, l'une des 5 composantes de son âme, se réveille. Des sentiments qu'elle pensait ne jamais éprouver ressurgissent, et avec eux, un désir irrésistible de découvrir d'où elle vient. Qui a volé l'âme d'Iris et pourquoi? Pour le savoir, elle devra s'approcher au plus près des secrets du pouvoir, désormais traqué par l'ordre. Parviendra-t-elle à rassembler les pièces manquantes de son identité et à contrôler les morceaux de son cœur? Donc pareil, c'est un livre qui me tente de ouf. De base c'est absolument pas ce que je lis, mais je sais pas, il a l'air vraiment pas mal. La couverture m'avait intriguée de ouf et j'avais fini par l'acheter et je ne l'ai toujours pas lu. Donc vraiment cette année je veux au maximum lire des livres que je n'ai pas l'habitude de lire. Ensuite il y a un Emma Green, parce que je n'ai jamais lu de Emma Green encore, et celui-ci c'est un peu dans les vibes de Grey's Anatomy, c'est Ce qui nous rend vivants, sorti aux éditions
addictive. Donc celui-ci, en gros, il va parler de Cléo qui travaille aux urgences de l'hôpital public de Chicago. Et en gros, elle est dans son élément entre les brancards, les médecins, les patients et ainsi de suite. Elle est à sa place, mais c'est sans compter sur une vieille connaissance, son ennemi juré, son plus grand rival et sa pire erreur de sa vie, Carter Cruz, du coup, qui travaille dans le même hôpital qu'elle. Sauf que bah forcément, à force de travailler ensemble, de devoir cohabiter entre guillemets, bah, elle va finir par se rapprocher de lui. Sauf que elle, ce qu'elle veut, c'est le fuir à tout prix. Donc je pense que ça va être un petit ennemi tout lovers, proximité forcée. Donc pourquoi pas. J'ai trop envie de le lire, j'ai hâte. Ça sera mon premier Emagreen. J'en ai un autre d'elle, mais que je n'ai toujours pas lu. Et je ne sais absolument pas quand je vais le sortir de ma palle. Mais en tout cas, celui-là me tente vraiment pas mal. Donc pourquoi pas. Ensuite, vous allez me taper sur les doigts, mais j'ai envie de sortir Captif de ma palle. Je ne peux plus me le voir. Enfin, c'est pas que je peux plus me le voir, mais genre, j'en peux plus de le voir sans l'avoir lu. Vous voyez, surtout que là, Alex Stone est sorti, tout le monde en parle. Ça attise ma curiosité, ça me donne envie de le lire. Mais j'ai pas lu les Captifs. Donc je me dis serait temps de se lancer en fait. C'est au sein d'un réseau criminel, il y a des gens qui ont comment ils s'appellent. Voilà, il y a des possesseurs qui ont des captives et le possesseur des labs préfère se servir de son corps que de ses talents. Donc du coup elle va se voir changer de possesseur il me semble. Sauf qu'elle va aller avec un certain H, un leader charismatique du réseau des Scott. Et il refuse vraiment la présence des captives et peut pas se les blairer, je sais pas pourquoi. Et en gros il a vraiment une haine genre de ouf envers ses femmes. Donc un jeu dangereux va s'installer entre les deux. Donc elle va devenir sa captive et je n'en sais pas plus et je n'ai pas envie d'en savoir plus. Moi je me suis déjà fait spoil pas mal de petites conneries et tout, mais dans l'ensemble je sais pas trop de quoi ça parle. Mais en tout cas je sais pas, il me tente. Plus je le vois plus j'ai envie de le lire. Je sais que je passe après la guerre de 100 ans, mais écoutez, je sais pas, j'ai envie de le lire, genre ça y est, j'ai cette envie de me plonger dedans. Ensuite chez BMR, parce que lui aussi vient de chez BMR, il y a The Fine Print. Vraiment je pense que ça sera une de mes prochaines lectures. À chaque fois je le dis, je le lis pas, c'est une catastrophe, genre j'ai tellement de livres à lire, mais j'ai vraiment vraiment envie de lire celui-ci. Il a l'air vraiment, ça a été écrit par Lauren Asher et du coup c'est une trilogie, c'est la trilogie des Dreamland Billionaires et chaque tome parle de un des trois frères milliardaires. Donc là le premier, on va suivre Rowan Kane qui est le proprio d'un parc d'attractions le plus réputé qui s'appelle Dreamland, et Zara, un jour où elle va se taper une cuite monumentale au vin blanc, va se voir critiquer l'une des attractions les plus coûteuses de ce parc d'attractions. Donc après ça elle se dit bon bah écoute je vais juste me faire virer tout simplement, voilà. Sauf que pas du tout, en fait le nouveau dirigeant du coup du parc va lui dire ah ok tu te permets de critiquer pas de problème, bah tu vas la repenser tout simplement, comme ça tes petites critiques, tes petits conseils tu vas les appliquer. Donc elle c'est le poste de ses rêves, donc elle se dit ok pourquoi pas. Donc en fait elle va se retrouver à occuper le poste de ses rêves après une gaffe qui ne devait pas l'amener là. Donc en gros elle va occuper ce poste, sauf que forcément elle se rend compte qu'elle a un patron hyper désagréable, elle peut pas se le blairer. Ensuite j'ai envie de lire un livre que j'ai acheté il y a pas très longtemps, c'est Sur tes traces de Harlan Coben, sorti chez Bellefond. Alors j'ai jamais lu d'Harlan Coben, après j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien. En gros c'est un mec qui écrit beaucoup de thrillers et du coup je sais pas, celui-ci m'a attiré. En gros c'est un mec, il y a 5 ans de ça il avait tout, un mariage heureux, un travail, un petit garçon qui s'appelait Matthew, et au jour d'aujourd'hui David se retrouve en prison pour le meurtre de son fils. Sauf qu'il n'a aucun souvenir de cette soirée, il ne sait absolument pas ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'il se dit délire alcoolique, est-ce que je me suis tapé une cuite, j'ai perdu connaissance, je sais pas ce que j'ai foutu, est-ce que c'est une crise psychotique, je n'en sais rien. Donc il ne sait absolument pas ce qui s'est passé cette nuit là c'est juste qu'il sait que il a pris perpète pour le meurtre de son fils pour lequel il a été accusé. Du coup un jour il va avoir la visite au parloir de sa belle-sœur, c'est la seule personne qui reprend contact avec lui. Elle vient le voir avec une photo d'un petit garçon qui joue dans un parc, et ce petit garçon n'est autre que Matthew. Donc il se rend compte que son fils est vivant, donc il se retrouve en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis, d'autant plus le meurtre de son fils. Donc il va tout simplement s'échapper pour le retrouver. Je sais pas, ça a l'air juste patatissime, c'est pas un très grand livre, il fait 375 pages, je sais pas, il me tente de ouf. Ensuite un autre livre que j'ai envie de sortir de ma palle cette année, et je comptais vraiment le mettre dans cette pile des 24 livres, parce que vraiment c'est que des livres qui me tentent de ouf dans ma bibliothèque et que je veux absolument lire le plus rapidement possible, c'est The Way I Used To Be de
Amber Smith, sorti chez Gallimard Jeunesse. Alors c'est un livre assez compliqué à lire, vraiment de ce que j'ai entendu il est vraiment très compliqué. En gros ça va parler d'une fille qui s'est fait violer par le meilleur ami de son grand frère, sauf que bah elle ne va rien dire à personne. Et en fait on va suivre bah sa vie, son combat, ses traumas, bah dans la peau d'une jeune fille qui s'est fait violer par quelqu'un en qui elle avait confiance tout simplement. Donc du coup c'est un roman assez poignant de ce que j'ai entendu, donc pourquoi pas. Après je comprends pas pourquoi aller chez les jeunesses s'il est vraiment aussi compliqué que ça, parce que vraiment de tout ce que j'ai entendu, les gens ont versé des larmes, mais plus, ils ont eu beaucoup de mal à le lire. Donc écoutez, pourquoi pas, j'ai trop envie de le découvrir. Dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en pensez. On a bientôt fini, il m'en reste 4 et après je vous laisse tranquille, je vais essayer d'aller au plus vite possible. J'ai trop envie de lire The Prison's Healer, j'espère que je prononce bien, je fais mon accent anglais MDR, de Lynette Nonny. Donc celui-ci c'est le tome 1, c'est La guérisseuse de Zalindov. Voilà, on va y arriver, chez Hachette Roman. Pareil, ce n'est absolument pas le livre que je lis en temps normal. Je l'avais vu dans ma librairie près de chez moi, j'avais trouvé la couverture assez sympa, mais j'avais pas lu la quatrième de couverture, je vous dis la vérité. Je me suis dit bon, je sais pas, je pense que ça m'intéressera pas. Et en fait en regardant sur Amazon, bah j'ai lu la quatrième de couverture et je me suis dit mais what. Et en fait c'est le genre de truc qui m'intrigue de ouf, c'est genre vraiment c'est pour me faire acheter un livre, ça suffit. En gros c'est une quatrième de couverture qui ne dit rien mais qui te donne un suspense tellement fort que t'as envie de le lire. En gros il y a écrit, le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéta en boucle ces deux derniers mots, nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse mais une annonce imminente, sa famille arrivait. Enfin après de si longues années, elle arrivait, pour Kiva, mais aussi pour Tilda, la reine rebelle, pour la libérer enfin. Et à ce qui paraît, le plot twist, il est oufissime. Donc écoutez, voilà, c'est pas du tout le genre que je lis, mais je sais pas, il m'intrigue, il me donne trop envie. Et en plus là, je suis vraiment dans une phase où les romans, je ne peux plus me les voir, genre vraiment. Dites-vous, j'ai commencé Magnolia Parks, bon, je ne comprends presque rien de ce qui se passe dedans, c'est très fouillé comme je vous ai dit. Et j'avais commencé Beautiful Sinner, pourtant c'est du Anita, moi Anita, je sais pertinemment, je peux déjà faire mon avis comme quoi ça va être un coup de cœur parce que je le sais. Il n'y a aucun de ces livres qui m'a déçu, mais en fait je pense juste que là, j'ai besoin d'autre chose que de la romance, genre je n'en peux plus de la romance. J'ai besoin de lire autre chose. C'est pour ça que là je suis en train de lire La femme de ménage. Et qu'est-ce que je suis en train de kiffer ma lecture. Dites-vous qu'hier en l'espace d'1h15 je me suis bouffée plus de 100 pages. Genre je n'arrivais pas à décrocher du livre. Je pense que vraiment j'ai besoin de ça. Genre j'ai besoin de mettre un peu les romances de côté. Donc c'est pour ça que je vous montre aussi des livres bah, que j'ai pas l'habitude de lire comme celui-ci. Mais genre là je sens que j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de thriller, besoin de fantasy, j'en sais rien, mais tout sauf de la romance. Donc si vous avez des recommandations aussi, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresserait de savoir parce que de base c'est pas mon genre, c'est pas les livres que je lis, donc j'en connais pas forcément, mais là j'ai envie de me lancer plus là-dedans. Ensuite, nous avons une dark romance qui pèse une tonne, ce livre je vous jure. C'est un livre auto-édité, écrit par chez Carotte et Carnage, donc c'est une dark romance à ne pas lire avant 18 ans. Genre c'est pour public averti plus, même des fois 18 ans, ce n'est pas assez, donc sachez-le. En gros, alors déjà, pour voir la noirceur de ce livre, les pages sont en noir. Alors déjà, c'est une grande première pour moi. Il me tente de ouf. J'ai vu qu'un seul avis dessus qui m'a conquis. Et de base, je ne lis absolument pas de dark romance. Mais en gros, pour vous dire à quel point ce livre a l'air sombre et a l'air compliqué, genre dites-vous que les trigger warnings sont écrits de façon de rapport psychologique. Donc par le docteur Shea Carotte. Donc j'ai trouvé déjà l'idée sublimissime, génialissime. J'ai adoré. Ça change de ouf. En gros on va parler, je sais pas si je vous ai dit, ça s'appelle Carnage. En gros on va parler d'une fille de milliardaire qui est influenceuse aux millions d'abonnés, qui est fiancée à l'homme le plus prisé des États-Unis. Et en gros elle a une vie méga millimétrée par ses parents, sauf que ça risque de voler en éclats quand elle fait la malheureuse rencontre du purgeur, qui est un chef de gang qui fait trembler tout Los Angeles. Donc du coup ça s'attendait absolument pas à le rencontrer finalement. Et en gros bah il va lui falloir tout son courage pour l'affronter. Et malheureusement cet empereur des rues bah il va l'embarquer dans ses vices, dans ses trucs là. Donc elle va vivre un voyage vertigineux rempli de dangers. Donc du coup voilà, je n'en sais pas plus, mais à ce qui paraît c'est vraiment pas mal du tout. Mais encore une fois, plein de trigger warning, il faut être vraiment accroché, genre ça parle de beaucoup de thématiques assez compliquées. Donc 18 ans et plus, et même 18 ans des fois c'est compliqué, donc voilà, sachez-le. Ensuite, avant dernier livre que j'ai mis dans cette pile à lire, c'est Kelleana, l'assassin. C'est le premier tome, écrit par Sarah Jimas, je crois.
tout comme Colleen Hoover, j'ai oublié de le préciser, à chaque fois j'oublie. C'est une auteure problématique, donc sachez-le. Mais je crois que celle-ci aussi, je suis pas sûre de ce que j'avance, mais je crois que c'est celle-ci qui est problématique. En tout cas, il y a écrit, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que pareil, je l'ai acheté quand j'ai vu le prix, c'est prix découvert. 9,90€, un brochet, donc je me suis dit pourquoi pas. Après, c'est une grande saga, je crois qu'il y a 6 ou 7 tomes, je sais plus. Mais en tout cas, il y a écrit, à 18 ans seulement, Kelleana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, un titre qui l'a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Kelleana, perdre n'est pas une option, mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour? Pareil, c'est absolument pas dans le genre que je lis, mais quand j'ai vu le prix, 9,90€, c'est un peu plus qu'un poche, mais ça reste quand même un brochet, donc pour le découvrir, c'est vraiment pas mal parce que au moins ça me permet de savoir si j'aime, si j'aime pas, et si j'aime pas, au moins j'ai pas mis 20 balles dans un livre et je pourrais le revendre, bon c'est pas très grave, mais en tout cas j'ai trop hâte de découvrir cet univers parce que ça m'a l'air vraiment pas mal. Et ensuite, pour terminer, le dernier que j'avais commencé, je suis à la page 60, mais comme je vous ai dit, je l'ai mis sur le côté parce que je sentais que c'était pas le moment, et vraiment j'ai plus envie de me frustrer comme l'année dernière où je me forçais à lire des livres où j'osais pas les mettre de côté, et ce qui fait que ça a ralenti mes lectures comme pas possible parce que je me forçais à lire certains livres. Et c'est surtout que bah je me suis retrouvée pendant plus de 4 mois en panne de lecture, donc pendant 4 mois et demi presque j'ai rien lu, donc j'ai perdu énormément de temps, et là j'ai pas envie de ça en fait. J'ai vraiment envie de lire des choses qui me plaisent. Je m'en fous que ça soit des livres qui datent d'il y a 30 ans, je m'en fous que ça soit des livres qui soient sortis hier. J'ai juste envie de kiffer mes lectures parce que c'est pas une pression que je dois me mettre, genre c'est un plaisir. Ok, certes je partage ça avec vous, certes j'en parle sur YouTube, j'en parle sur mes autres réseaux, mais j'ai juste envie de parler de choses que je kiffe et j'ai pas envie de bâcler ma lecture ou de donner un avis qui ne devrait pas être celui-ci juste parce que j'ai pas kiffé ma lecture, vous voyez ce que je veux dire, et parce que je me suis forcée. Donc comme c'est du Anita Higgins, j'en suis sûre, depuis le temps que je l'attends, je sais que ça va être un coup de cœur, je le sais, et parce que même les 60 premières pages j'ai déjà kiffé de ouf, j'ai déjà mis plein de post-it et tout. Je le sais, c'est juste que je sentais au fond de moi que c'était pas le moment pour cette lecture. Genre vraiment, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de découvrir un autre univers, sans qu'il y ait de la romance, sans qu'il y ait de trucs comme ça. Et pourtant, c'est une sombre romance, donc ça reste comme quand même quelque chose de... Enfin, c'est moins cucu qu'une romance classique. Mais voilà, j'avais juste pas envie de ça pour le moment, donc c'est pas grave, même si c'est du Anita, c'est rien. C'est pas contre elle, c'est pas contre son travail, loin de là. Mais c'est juste pour moi, pour mon plaisir, j'ai envie de lire autre chose. Donc je me suis pas frustrée et je me suis pas forcée à continuer un truc que j'avais pas envie de lire pour le moment. Donc du coup je vais mettre Beautiful Sinner dans cette liste parce que forcément je veux le lire, je veux le continuer, parce que déjà les 60 pages que j'ai lues c'était déjà trop trop bien, la plume, genre j'ai toujours toujours un coup de cœur pour cette plume, c'est incroyable. Donc en gros ça va parler de Eden Santoro qui est la fille d'un des mecs les plus dangereux de Colombie, et à 18 ans elle est in love d'un des mecs qui travaille pour son père qui s'appelle Alan, sauf que bah à 20 ans tout a changé, elle peut plus le voir, elle sait qu'il est dangereux, donc elle veut l'éviter à tout prix. Sauf que malencontreusement ils vont devoir cohabiter, elle va devoir replonger dans sa Colombie natale, donc en gros elle va vraiment rentrer dans ce milieu qu'elle ne connaissait pas entre guillemets. Elle sait que son père travaillait dans les armes et tout, elle savait qu'il faisait du trafic d'armes, mais bon vous savez elle était pas trop dedans, donc elle savait pas, donc elle va découvrir tous les secrets et ainsi de suite. Donc du coup j'ai hâte de continuer à le découvrir parce que vraiment ça m'a l'air patate de ouf, genre vraiment j'ai kiffé les 60 premières pages, j'ai adoré. Mais du coup voilà, c'est une romance un peu sombre, donc du coup il y a pas mal de trigger warning aussi, donc faites attention, c'est pour un public averti. Violence psychologique, violence morale, agression sexuelle et scène explicite, donc sachez-le. Mais pareil, genre j'ai trop hâte de le continuer parce qu'il avait l'air vraiment pas mal. Donc du coup c'est tout pour moi, c'est tout pour ces 24 livres pour cette année 2024. J'espère vraiment que ça vous plaira. Dites-moi vous quels sont les 3 livres que vraiment cette année doivent sortir de votre palle, genre ça fait ou trop de temps qu'ils sont là ou c'est des livres qui vous donnent trop envie. Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Et si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me donner vos avis, ça m'intéresse toujours d'avoir des avis autres que ceux que je vois sur les réseaux. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, il y a une vidéo qui sort chaque dimanche à 17h sur la chaîne. N'hésitez pas
aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, que ça soit Instagram ou TikTok, ou sur mon Bookstagram, c'est là où je poste toutes mes revues sur mes lectures et bien plus encore. Donc voilà, ça me ferait trop plaisir de vous retrouver là-bas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, et entre temps je vous souhaite d'excellentes lectures. Bisous.